Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, un rendez-vous sans résultat à Bruxelles face au chef d'État de la zone euro. Alexis Tsipras affiche sa bonne volonté, mais sans formuler de propositions précises. François Hollande et Angela Merkel semblent s'impatienter. On sera en direct sur place et à Athènes également. Bienvenue à tous. Certains souhaitaient un nouveau départ. Pour l'instant, cela ressemble surtout à un faux départ. Les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro attendaient des propositions précises d'Athènes avant d'accepter ou pas de rouvrir les négociations. Ils sont peut-être restés sur leur faim. On évoque déjà un autre sommet possible dimanche prochain sur place à Bruxelles. Julien Dupéret, Tahar Nasri. Toujours ce même sourire. Alexis Tsipras est de retour à Bruxelles, le premier ministre grec plus attendu que jamais par François Hollande et Angela Merkel, avec une question, est-il venu les mains dans les poches ou avec de nouvelles propositions? Que voulons-nous? Que la Grèce reste dans la zone euro? C'est l'objectif. Pour y parvenir, la Grèce doit faire des propositions sérieuses, crédibles. Nous les attendons, elles ont déjà été énoncées, elles doivent être précisées. Et chacun joue sa partition. François Hollande, plus optimiste que la chancelière allemande. Après le non clair au référendum, il n'y a toujours pas de base pour la négociation. Au bout de ces couloirs, rapidement, une réunion s'organise. Petit comité, France, Allemagne, Grèce, Commission européenne. Un café pour sonder Alexis Tsipras, premier face-à-face depuis le non. Plus tôt dans la journée, autre première, celle du nouveau ministre grec des Finances. Sous son bras, ses dossiers, à l'intérieur, la stratégie de son pays. Mais Euclide Tsakalotos s'est aussi fait une note sur le papier de son hôtel, capturé sur cette photo. Pas de triomphalisme, a-t-il écrit. Le style tranche avec son bouillonnant prédécesseur Yannis Varoufakis. À la sortie, Michel Sapin, malgré l'absence de propositions concrètes, semble confiant et même séduit. Ah, il a du charme, vous serez sensible. Moi, je trouve qu'il a plus de charme que Yannis. Moins de sourire du côté allemand. Dès ce matin, rappel des fondamentaux sur la question de la dette grecque. Toute réduction de la dette irait à l'encontre des règles européennes. Ce soir, le sommet des chefs d'État a commencé. Tous sont prévenus. Le sort de la Grèce doit être scellé. C'est une question de jours. Bonsoir Clément Le Goff. Vous êtes sur place à Athènes. Pourquoi cette union sacrée? Et Alexis Tsipras en sort-il renforcé? Eh bien oui, David, clairement, et c'est toute l'audace d'Alexis Tsipras. À défaut de trouver un accord avec les créanciers, eh bien, il le trouve ici, en Grèce, avec ses ennemis politiques. Opposant au oui au référendum, partisans du non, eh bien, socialistes, conservateurs, à l'exception de l'extrême droite, tous sont tombés d'accord sur un texte commun pour la poursuite des négociations. Le Premier ministre s'oppose donc en rassembleur de la nation. Il veut donner l'image d'une Grèce soudée, unie derrière lui, et cela à deux... Tellement doux, tellement fluide. Découvrez l'écriture sans effort de Papermate Enjoy.